On a un petit problème. On a plusieurs petits problèmes. On a un petit problème là. On a un petit problème là. Par contre, on a la couronne Némésis, située près d'un site célèbre de l'Empire. Ouais, mais la couronne de Némésis, franchement, ça m'intéresse zéro dans cette campagne, en fait. Bring me to my men. Parce que j'ai trop besoin de mes alliés. Mind of mechanism. Donc la couronne de Némésis, clairement, ça serait un malus que je n'ai pas du tout envie d'avoir, quoi. Get a move on. Base camp. Non, pas par là, connard. Non, ton okay. GPS, allume-le. Garrison duties. Ah, c'est bon, il s'est l'atteint par là. C'est bon, j'ai rien dit. Ouais, les cuirassiers. Les cuirassiers, c'est combien de dégâts encore? Puissance des tirs, 35. Et arquebusier, 19. Et mais ils sont moins nombreux. Ils sont 60 contre 90. Ah bon, ils sont quand même mieux, ils ont plus d'armure, en plus de beaucoup de choses. Là, on va attendre l'ingénieur et puis on avance. Vlad, je l'ai pas vu hein, encore. Ça m'inquiète un petit peu. In the name of Magnus. Ah, bah le Vlad. Le Vlad. Bon, les Hauts-Elfes, ils veulent pas commercer là, vraiment? C'est quoi ces Hauts-Elfes? Des Hauts-Elfes qui veulent pas commercer, c'est pas banal. Ça n'arrive jamais. Oh, ah bah elle veut bien, ça y est. Elle a compris. Voilà. Bon, maintenant 2500 de prestige. Bah si je me bastonne quelques fois avec Vlad, ça va le faire. Ah. Ouh, je suis en négatif. Oui. Engager les mercenaires. Ça, c'est plus rentable que ce que ça m'a coûté. Assez rentable. Ah, la rébellion, par contre, elle m'emballe pas. Confédération là-bas. Ah non, ils ont blessé mon capitaine. On va un petit peu faire un tour par là pour voir. Angrun qui veut bien un pacte de non-agression, mais qui veut commercer le Styrland. Il veut bien une alliance. Alliance. Mais vraiment, commerce, les autres ils veulent pas. Ouais, ça. Même le clan Angrun il veut pas. Il me fait peur. Alors attends, à Grunberg, j'ai un bâtiment défensif. Donc là, j'ai une armée plutôt... Oui, j'ai une armée, quoi. Plus ça, ça le fait. Donc vas-y, je vais éviter de perdre ça trop facilement. S'il attaque Aldorf, ça se défendra vu qu'il y a la muraille et quand même des trucs assez sympas pour défendre. Ici, 11 unités en garnison. Ouais, ça, c'est pas évident. Hein. On va améliorer Aldorf, d'ailleurs. No finer schematics. Gifted tinkerer. Ah, bah tiens. L'autre, il s'est fait sniper. Ah, bah tiens, yeah. Eh ben, on a une place à pourvoir, finalement. Voilà. Bon, du coup, il peut plus bouger. Reste tranquille, toi, hein. Oula, oui, ok, d'accord. Je comprends ce qu'il est en train de faire. Oula, oui, d'accord. Is it time? Oh là 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 là, c'est trop nombreux. Est-ce que j'ai un DPS suffisant, bordel? Bon, j'ai quand même 2 joueurs d'épée, 2 halbardiers, 3 unités de lanciers, 4 unités d'arquebusier, donc le DPS gelé. Plus chariot de guerre, plus garde frontière, plus 2 mortiers. Le DPS est quand même présent, quoi.
qui l'a déclaré la guerre, lui? Aux disciples de la gueule. À Zouvbar aussi. Ouais. Une unité de chevalier de sang. Oh la vache! Ok, il a perdu une armée. Et une armée full. Là, il y a la deuxième qui est moins... la deuxième qui est nettement moins forte. Alors, les unités dangereuses sont les Vargeist, mais il y a moyen de les abattre en une salve avec, avec les arquebusiers et les chariots. Donc ça, ça va. Les chevaliers de sang, c'est pas la même paire de manches. Bon, allez. Et abattre Vlad, ouais, c'est ce qui est chiant, c'est Vlad, quoi. Vlad qui est l'anguille absolue, il est seul à sniper, c'est un cauchemar. Il va falloir l'ignorer, quoi. Va falloir l'ignorer et détruire l'armée le plus vite possible. Donc en priorité, les chevaliers de sang et les Vargeist, puis le reste de l'armée. Et Vlad, on n'y touche pas. Je cherche pas à l'atteindre jusqu'à ce que la bataille soit finie. Cette map-là, par contre, ça va être pas trop mal en ma faveur. Oui, en plus j'ai un peu de vent de magie et j'ai l'abîme de noirceur, donc quand même plutôt chouette. Ils ont pas énormément d'unités mobiles, donc faudrait que j'en profite. Karl, il ira avec eux. Il a quoi, lui? Pour l'instant, il a pas grand chose, hein. Non, il a pas grand chose. Il a juste un petit projectile. Évidemment, ils vont faire ça. Je vais les attendre. Hein. Je veux qu'ils viennent au maximum entre ces trucs-là pour s'écraser sur moi. Est-ce que j'avance l'armée pour pouvoir utiliser ça pour bloquer? Non, ici, c'est pas trop mal. Là, ils vont blober assez bien sur tout ça. Je pourrais renforcer avec mes joueurs d'épée là où il y a besoin. Et là, j'ai mes vents de magie qui montent. Bon, par contre, Karl, s'il peut faire une petite descente. Enfin, quoique, non. On va les attendre. Et quoi, viens prendre ça, parce que je crois que... Leur cave va plutôt passer sur le côté et venir m'embêter par là. Et ce côté-ci est de toute façon protégé, parce que je pourrais contrecharger avec ma cave. Eux, ils en ont pas énormément, mais bon. Karl contre les Vargeist, je pense qu'il prendrait beaucoup trop de dégâts pour pas grand chose. Par contre, on va aller les harceler un peu avec les escorteurs et les chariots. Karl suffira pour descendre sur eux au cas où.
partir en mouvement? Ah oui, oui. Est-ce que je descends dans la mêlée? Non, pas tout de suite. Ok, ça commence. Très belle première salve. C'est les chevaliers de sang là-bas, ouais. Personnages volants qui vont arriver là au milieu. Il aurait eu moyen de faire un truc, hein, mais ils lui ont arraché la moitié de sa barre de vie quand même. Putain, tous leurs persos sur monture volante qui me tombent dessus, quel enfer. Merde, Isabella qui a ça. Alors perso sur monture volante, quel enfer aux vampires en début de campagne. Attends. Truc, ils savent plus où donner de la tête. Hein. Non. Yes, sir, quickly. The Empire endures. By your command. Oh là là. Putain, il m'accroche. Ah, c'est déjà perdu. Ah, je déteste les vampires en début de campagne. Ils sont trop nombreux. Et leur perso accroche toutes mes unités. C'est un coach. J'ai plus rien qui peut tirer là. Oh, c'est déjà perdu. Allez. Ah là 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 là. Putain, vampire, c'est si dur en début de campagne. Tant qu'on n'a pas débloqué les bonnes unités, ils viennent tous en volant comme ça. Le temps qu'ils descendent, on n'a même pas le temps d'en tuer un. Et puis c'est fini, mes tireurs ils tirent plus, mes unités elles avancent plus. J'ai plus rien. Oh là 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 là. Trop dur, hein. Trop dur au début. Hein. Il faut vraiment débloquer des trucs bien mieux. Il faut les longs fusils. Il me faudrait... Bah, faudrait plus de nombre hein, déjà. J'ai pas assez, hein. Je vais me faire bourrer par Vlad, hein. On va même pas voir le chaos dans cette campagne si ça continue. Putain, mais il a trop d'armées, sérieux. Aïe. Ah, c'est compliqué, là. Là, c'est très compliqué. Prestige, moins 350, plus 900... Oh, ça m'intéresse pas, quoi, avec le Norland. Oh merde, putain, j'ai perdu le mage, j'ai perdu l'ingénieur. Enfin, l'ingénieur, je peux le refaire. Le mage, c'est con, il avait des sorts. Et il y a l'autre qui arrive. Très dur là. Elspeth, elle est assise sur son siège, elle a pas envie de se lever. Elle a la flemme, elle est dans son lit. Bah faut recruter là. Alors attends, déjà je pourrais aller chercher ça. Bon là il y a mes défenses qui vont pouvoir jouer quand même.
va faire un petit peu plus de halbardier. Mais vraiment, les persos vampires, quand ils débarquent comme ça, qui sont 4 ou 5, c'est impossible, quoi. À 4 ou 5, ça veut dire au minimum 3 ou 4 unités de tir qui sont neutralisées et impossible de les arrêter. Pas avec une armée comme j'avais, quoi. Avec des longs fusils, ça se joue peut-être. Et Karl, il se fait bourrer par le premier perso vampire qui passe. Huntsman General. Dans 2 tours, je récupère une unité de garde frontière. Toujours ça. Estus, il va aller sur Eilhart ou quoi? Ils sont 14. Non mais Elspeth, par pitié par contre, faut vraiment faire quelque chose là. Ah, je vais le faire revenir lui. Mais je peux pas recruter de mage en plus. Wouah la vache. Oh, je suis dans une merde dans cette campagne. Je m'attendais pas à me heurter à un mur de difficulté aussi gros avec Vlad au début. Oh, il est tellement plus fort que moi. En fait, s'il y avait que Vlad, ça irait encore, mais c'est pas le seul problème. Et toi, faut que tu reviennes maintenant. Faut qu'il revienne. Ok, il pille, donc il me laisse un petit peu de temps. Mais il s'est passé quoi encore? Mais ok, je connais cette boucle. Je connais cette boucle par cœur, comme si c'est moi qui l'avais inventée. On va l'appeler la boucle MAF, d'accord? C'est la boucle de gameplay où ton anus prend 7 cm par tour. Huntsman General. Attendez. Huntsman General. Dans 2 tours, j'ai les trucs. Uber Strike, ça fait un peu peur. Je sais pas si ça va pouvoir tenir. Donc il faut que j'en profite pour sortir des unités de halbardier là maintenant. Yes. Bah recruter pour le moment, c'est un petit peu tout ce que je peux faire. Et là j'ai pas assez de thunes pour pouvoir upgrade Aldorf, parce que la croissance je l'ai, mais j'ai pas la thune quoi. Sinon Aldorf pourrait monter encore plus. Bon là on va avoir le niveau 3. Ah, oh, il y a les armées de Vlad qui sont là. Bah s'il a 3 armées, la campagne est morte. Hein. S'il pousse avec les 3 armées à cet endroit là, c'est fini. La campagne est terminée. J'ai vraiment pas de quoi l'arrêter là. Bastogne est détruite par qui? Grom? Ah non, par Louan. Mais Louan, il est pas content. Hein. Huntsman General. Be gone. Huntsman General. Quand même sécuriser un petit peu le truc parce que là je sens qu'il va se pointer. Scout leader. Dans un tour j'ai les longs fusils et les trucs. Bon là s'il attaque par contre avec la garnison et tout, ça va pas être possible pour lui. Huntsman General. Bon donc on va pas recruter là, je vais attendre. Oh, Festus à l'arrière, il me fait peur quand même. Et à Grunberg, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Ah, là, ça attaque. Que des bonnes nouvelles, quoi! Atta! Bon, qu'est-ce qu'il me faut pour aller chercher ça? C'est des unités de merde. Avec les arbas, a priori, ça passe. Ouais, mais putain, j'ai une de ces flemmes de faire cette bataille. Oh là là, encore une bataille qui va durer 45 minutes pour que dalle.
vraiment le genre de bataille chiante. Je vais faire une petite, petite deuxième armée vite fait. Et juste aller les chercher, quoi. Ça suffira peut-être. Huntsman General. Alors là, s'il attaque avec toutes ses armées, ça va être dur. Estus, s'il amène une deuxième armée, ben là, à tout moment, c'est une fin de campagne, hein, parce que avant même que l'invasion n'apparaisse. Ah, j'y arriverai jamais, l'invasion. Ça, c'est si rude contre les vampires au début, alors que l'inverse, c'est tellement pas vrai, quoi. Vampire contre empire, au début, ça croustille tellement. Ah mais oui, en m'attaquant, par contre, il gagne pas. Moi, en sortant, je gagne pas, mais sinon, le rapport de force s'inverse. Ah oui, bah alors, je peux virer les stagiaires. Equipment check. Là, ça va aller. Vampire contre empire, ça croustille si fort. Scout leader. Ah, Marianne Bird qui peut monter, ça c'est une bonne nouvelle. Il est seul et il est venu. Oui. Meurs. Meurs, saloperie. Meurs. Meurs, étouffe-toi dans ta chiasse. Voilà, tiens, étouffe-toi dans la chiasse d'Isabella. Arrange-la. Ah. Temps de récupération des blessures, moins 4. Super! Que personne ne pose des questions quant à cette capacité, compris? Ok! Il est pas venu avec 18 armées et Festus est reparti. Ils repartent! Tu vois, je veux que t'aies quartier, maître. Forced to track. Oui, je vais quand même l'achever, lui. Ça dégage. Strike first, strike fast. Today, you live. Oh, 2000 de prestige. Scout leader. Oh, vas-y. Yes. Il faut y croire. Alors, là, en plus... Attends, quoi? Huntsman General. Ah, mais non, il m'assiégeait. Oui. Là, j'ai de la thune. Là, j'ai un peu de thunes. Ah bah oui. Je veux un ingénieur. Vitesse 15%. Brèche, taux de recherche 5%. Munitions plus 25%. Et capacité passive, rechargement supplémentaire. Réapprovisionne les munitions. Recharge 6 munitions sous les 80%. Engineer. C'est bien ça. Ça va. C'est très très bien ça. Et il y a lui qui est revenu aussi. Très bien. Bon, j'ai pas de mage, mais c'est toujours ça. Et je vais faire l'école de magie d'Aldor. Ok. Non, ça va le faire, ça va le faire. Et dans 20 tours, l'invasion est là. Mais vous allez voir, on va redresser la situation. On va avoir le... Pas encore le tier 4 avec Aldor, que le tier 3, mais ça va venir. Ça va venir. Et encore 500 petits prestiges. Ah ouais, mais seulement s'il y a des comptes électeurs qui sont morts, elle sera repassée sous les 10. Il y a peut-être eu des pertes. I will hear what you have to say. Ah, voilà le... Le commerce! Le commerce! Voilà le commerce! Tenez, j'en ai pas besoin. C'est pas grave. J'ai adoré cet échange commercial avec vous. Merci beaucoup. J'adore les elfes. J'adore. Mais c'est vraiment. Oui, c'est. Pardon. Oui, mais je me ferai tatouer aux elfes sur les fesses. Oui, oui. Hein? Autour des fesses. D'accord. Oui, madame.
Coût de recrutement, moins 50%. 25%, oui. Carlito est prêt. Mais quand il est pas là, mais forcément, j'avais dû laisser la gestion du territoire à un intérimaire. Et évidemment que c'est pas le même résultat, quoi. Bon, allez. C'est parti. Bring me to my men. Bon. I am France. Long fusil. Attends, toi, tu dégages. Unité de renom, j'en veux pas. Je peux avoir des escorteurs à lance-grenade. Moi, je veux des longs fusils. Je veux des escorteurs à lance-grenade, effectivement. De toute façon, je pourrais pas recruter plus là maintenant. Bon, ça fait déjà une bonne armée, même si j'ai perdu le mage. Uberstrike. Est-ce que je veux améliorer Eilart? Combien ça coûte à Aldorf, ce truc? 2400. C'est pas si cher que ça. Donc je peux faire ça à Eilart. Oui, large. J'ai combien là? 2050, ok. Bon, bientôt la confédération avec Elspeth. Je vais avoir un autre seigneur légendaire et un bon. Et un peu de territoire en plus. Les Welfs qui ont un super concept commercial, ils reçoivent 690 et tu ne reçois pas de lance dans le rectum. J'adore leur concept. J'aime beaucoup. Putain, mais l'empire racketté par les Welfs, alors celle-là, franchement... politique, commandement plus 4, autorité moins 2. Oh la vache. Commandement moins 10 contre les humains. Je suis pas en guerre contre des humains, moi. Je suis en guerre contre des vampires. Allez. Fidélité plus 1. Prestige moins 1000. Ah non! Ou prestige moins 500, mais j'ai rien. Oh, vas-y, je paye les 2000 balles. Foutez-moi la paix. Ah, portée plus 10% pour les unités lance-projectiles et réduction du temps de rechargement. Ils vont devenir encore plus efficaces. Alors, là, je veux l'école de magie. Le conclave de sorciers de bataille, pardon. I command here. Bon! Bah ouais, mais est-ce que c'est très différent de l'armée d'avant? Non, mais de toute façon, voilà, il va falloir attaquer Vlad. Et si j'attaquais Festus? On it. As is my right by Sigma. Si on allait chercher Festus, tiens. Je crois qu'il serait limite plus facile à affronter que Vlad parce que lui va avoir des armées beaucoup moins nombreuses pour le moment. Et c'est vrai que si je pouvais éliminer Festus avant que l'invasion ne se déclenche... Ah bah ça y est, j'ai toutes les améliorations pour ça. Ok. Ressources échangeables produites plus 10% et portée de déplacement plus 5%. Ah oui, ça c'est bien. Droit de douane. Oui, vas-y, on va booster le commerce. Durée de construction moins 1 pour les bâtiments de production de ressources. Coût de construction moins 25%. Allez, il faut que je me développe. Revenu des ports plus 10%. Durée de trajet sur les voies maritimes moins 1 tour. Insensible à la douane. Non. Ok. Et à Aldorf, il reste une place possible. Production de poterie pour le commerce. Ah oui, là, au niveau croissance, je vais déjà bientôt avoir ce qu'il faut. Hein. Il me faut juste la thune, quoi. 6400. C'est jouable si j'économise un petit peu, mais je sais pas si je vais pouvoir. Long fusil contre les persos volants morts vivants, ça fait une belle diff tout de même. Ouais, mais quand tu as 4 personnages sur monture volante qui t'avancent dessus, dans le meilleur des cas, tu vas en abattre un. Et encore, hein, parfois, le jeu, les unités, ils ont un truc en vue, mais ils sont là.
ça, une monture volante, tout ça. Et donc la salve, elle part pas, et puis les machins, ils t'arrivent quand même dessus. Ou alors t'en as... Mais c'est pas vrai! Oh putain, les vides qui sont morts! Mais vraiment, mais les alliés, j'en aurai plus aucun quand ils vont arriver, les autres. Et merde, il y a de nouveau deux armées qui arrivent. Et quelqu'un va lui déclarer la guerre à la fin? Oh là là. Summon the Elector Counts. I am Prince and Emperor. On voit pas ce qu'il a. Bring me to my men. Ah mais là il y a un pont. On march. Si je reste ici, ça ferait une bataille de goulets. Moron. De toute façon, s'il s'avance sur moi, je peux quand même attaquer. Je peux quand même reculer au pire. Et voir l'économie au niveau commerce. Bah, évidemment, je suis à 100% d'export de tout. Donc une petite source, Ah, le sel de Gorsel, ça pourrait être pas mal. Il y a les teintures à Marienburg. Ah mais non, c'est justement le deuxième truc que j'ai. Qui se lève, je pourrais les faire, via une rébellion, les faire renaître. Bon, après, c'est Katharina qui est morte. Mais peut-être que... Ah, si ça se trouve, il y a Clodoman. Il est peut-être en vie, lui. Il veut un accès militaire, lui. Bah écoute, moi, je veux bien l'alliance militaire, carrément, hein. Ça veut dire qu'il est dans la merde. Il est en train de mourir. Mais non. Mais l'axe de l'ordre qui est en train de se faire retourner. Le thème de cette campagne, c'était l'axe de l'ordre contre l'axe des méchants du chaos. Chance de succès, l'action du héros plus 10% pour tous les personnages. Ouais, ouais. Et on va faire un tour là-bas. Ils sont ici. Alors, dans cette armée-là, visiblement, il n'y a qu'un seul perso. Ici, on a trois. Je n'ai pas encore l'attaque éclair. J'ai pas de dégâts de zone parce que j'ai pas de mortier et pas de mage. J'ai les lance-grenades. Non, ça passera jamais. Ça passera jamais. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. Les dégâts de zone sont pas assez bons. Là, je débloquerai les grands canons. Faudrait que je cible le passage de niveau d'Aldorf qui est jouable. Hein. Je suis à plus 2800. Là, ils ne peuvent pas m'atteindre. S'ils arrivent à Grünberg, là, j'ai une armée en garnison qui est quand même correcte. Donc, ils pourront pas aller plus loin. Faut que je la joue défensive et que je tienne. En vrai, j'ai qu'à attendre... Pas beaucoup de tours à attendre, hein, pour pouvoir passer Aldorf au niveau 4. Et une fois Aldorf au niveau 4, batterie tonnerre de feu, bordel. Ah! Et ben voilà. Défensif, bordel! Allez, fous le camp! Voilà comment faut la jouer avec Vlad. Je vais tenir mon territoire, je vais tenir mes frontières. Et quand je passerai le niveau 4 avec Aldorf, la paf. Voilà, les factions de l'Empire qui sont contentes. Oh, attends, est-ce que ça valait pas 500 de prestige, ça? Ah.
Ah, Gotrek et Félix. Oui. Ah, et la couronne, elle m'intéresse pas. I am prince and emperor. Oh oui, oh oui, oh oui, oui. Oh là, les 10. Oh là, les 10. Non, c'est pas là. All right. Elle est à moi. Elle est à moi. Elle est à moi. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Oui. Arrête, tu me gênes, Karl. Je t'ai déjà dit pas en public, s'il te plaît. Je m'en fous, nous sommes unis. Nous sommes unis, voilà, t'es à moi. Tu vois ce que t'as au doigt, là? T'es à moi. Il en peut plus. Ah, enfin, un allié sécurisé. Oh, la tunasse. Yes, my lord. Ah, j'ai récupéré un prêtre guerrier, d'ailleurs. Bah, elle est où? We're born to hunt. Ah ouais, elle est là. Ah ouais, elle avait tout le sud, et trop bien. Ouh, attends, c'est Wurzag? Elspeth von Draken. Et d'où elle les sort? Hein? Elle commence avec une batterie tonnerre de feu? D'où elle sort une batterie tonnerre de feu? Colère de l'empereur. Bah écoute, Elspeth, tu vas être là. Je récupère un autre compte électeur. Ok. On va là. Donc là, lui, il a quoi? Capacité de recrutement local plus 1 pour toutes les provinces. Déploiement d'avant-garde. Entretien moins 5% pour les guerriers arbalètes et les lanciers. Entretien moins 3% pour les troupes régulières du compte électeur. Faudra peut-être que j'en change de temps en temps. Attaque plus 10, puissance des armes plus 5%. Ouais, ça, ça sera pour autre chose. Verseur de sang, attaque plus 10, puissance des armes 15%, vitesse moins 45% et draine la vigueur pendant 29 secondes. Oui. Uncovering the arcane. Son dragon, c'est niveau 16, elle l'a bientôt en plus. Ok, ok. Ok, ok. Elle a un répurgateur, un ingénieur. Oui, c'est très bien. Un petit peu de tout là-dedans. Wurzag, il a du monde. Il est en guerre contre Thorgrim. Il est renforce 5. Il a 8 colonies. Et est-ce que Thorgrim... Parce que là, du coup, Thorgrim... Thorgrim, si je négocie la guerre avec lui... Thorgrim... Welcome. Ah, de toute façon... Ah, il veut bien des choses. Lui, il a quoi? Il a 8 colonies aussi. Non, il va tenir le choc. Oui, j'ai gagné de nouvelles ressources, d'ailleurs. Produit du vin, j'exporte à 100% et du fer, maintenant. To the provinces. To strengthen oh ouais, the là je peux pousser là. Allez, Zou, ça dégage. Ah, petite potion de soin. I will marshal the men to battle. Finalité de confédération, oui. Bon, là, on va faire ça. Who calls? Make haste, men. In the name of Magnus. En fait, faudrait qu'ils partent vers le nord et que Elspeth s'occupe du sud. Je veux juste récupérer le prêtre. Ouais, c'est tout. Et j'enlève... Il y a les deux unités de lancier. Je prends un halbardier en plus. So? Je pourrais les faire monter, eux.
The graveyard rose. Oh mais Elspeth va pas s'en sortir toute seule. J'aurais peut-être des trucs à enlever par contre. Je vais croire en mes rêves et enlever ces trucs là. Wissenberg, ouais ça parfait, je le garde. Ça je vais l'enlever. Ok. Bon attention parce que j'ai pas non plus de la thune à l'infini. Il va falloir que j'enlève une armée. Bah celle-là. Les joueurs d'épée là, on va aller les mettre chez Karl. Ah et peut-être les deux mortiers éventuellement. J'ai même un peu de cave. Ça se réfléchit. Bon, les deux joueurs d'épée, c'est sûr. Bon là par contre c'est vraiment une armée qui est bien contre les vampires. Parce que la cavalerie contre les vampires c'est pas l'idéal. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu d'ordre ici. Voilà. Déjà retombé à 2500. Praise Sigma. To the provinces. Ok, ok. Summon the Elector Counts. Quoi ? Prends ça. Prends ça, tu prends ça. Pas mal de trucs. Hein. Autorité plus 5, revenus générés par les bâtiments, revenus générés par les ports. Il y a déjà beaucoup de trucs. Ok. Now, bring me to my men. Ok, l'attaque éclair qui va arriver aussi, ça ce sera tellement bien. Un petit peu plus de munitions pour lui, pourquoi pas. So, the nation calls. J'ai envie d'aider, j'ai envie de les aider contre Wurzag, hein, mais paraît chaud, quoi. Ready? Yes, to unite the provinces. Yes, it is for the best. Bon, vas-y, lui il va rester ici. Merde, il peut pas bouger. Enfin, il restera là. Ah, est-ce que j'attaque Wurzag? Ça ferait plaisir à Thorgrim, quoi. Et ça l'aiderait. De toute façon, je peux pas laisser l'Empire se faire crouler dessus comme ça. Ça, j'aurais pas besoin ici non plus. J'ai 15 000 de trésorerie, ça peut tenir un petit peu. Il faudrait que je prenne des bonus d'autorité là parce que sinon ça va très vite partir en vrille. Ok. Bon, maintenant faut avancer contre Vlad, ce qui est pas évident. Wurzag, futur comte électeur, voire empereur. Et il y a Khazrak qui se balade avec la couronne là-bas. Bon, si j'arrive à repousser Vlad jusqu'aux montagnes, franchement, là, on serait déjà pas mal pour pouvoir arriver. Ah ouais, faut pousser maintenant là. Ça serait pas mal avant l'arrivée des forces du chaos, quoi. Pénurie de recrues, ça tombe bien, j'ai pas besoin.
pas avoir besoin de confédérer en vrai. Hein. Ils vont mourir petit à petit, je pense. Oh, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il va où? Ah, il a déclaré la guerre à Louan, mais pas à moi. Ah bon? J'ai envie de renforcer partout maintenant. It is time. Yes, a sound plan. Bah avec ça, je pourrais peut-être aller titiller les orques avec cette armée-là. Surtout si Louan me file un petit coup de main. Ouais, Karl, il va aller récupérer Talabheim. Bon. Rider of the Dragon in Carmine. Ah, maître de la balistique, précision plus 15, temps de rechargement plus 10. Affecte les alliés, oui, d'accord. As fate will. By Sigmar's will, come in peace. C'est déjà mon allié militaire, donc lui. Il y a du monde, lui, là-dedans. Ah non, il y a personne! Ah, je suis tout seul! Ok, là, c'est beaucoup de boys. Ouais, là, il y a du troll et tout. Enfin, après, les trolls... Ah, mais j'ai pas beaucoup d'arquebusiers, moi. Oh là là, c'est chaud, ça. Il y a du chariot, en plus. Il y a de belles saloperies, hein. J'ai un canon, un char... Une unité d'archer, une unité de milice, des cuirassiers... Une unité de cuirassiers, une unité d'arquebusier, ouais, une batterie tonnerre de feu, super. Et elle a quoi comme sort? Buveur d'esprit. Oh, c'est chaud quand même, hein. Ils sont nombreux. Hein. Et de l'orque sauvage en plus. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Amethyst Mage. Ils ont beaucoup de chevaucheurs de loups. Oh là là là. Ils vont prendre Averheim et je serai le suivant. Ah, fais chier. Trop nombreux. Karl peut pas bouger. Faudrait qu'ils descendent jusqu'à eux, mais dans tous les cas, ils seraient pas là avant le prochain tour. Yes. Ouais, faudrait quand même qu'ils avancent ensemble, quoi. I am France. They will obey. Allez, vas-y. Amethyst Guardian. On va mettre Elspeth à côté de Karl, comme ça elle est safe. Ok. Et au prochain tour, on attaque. Là, comme ça, je peux attaquer Wurzag. Je le jarte de cette région. Et on espère que Thorgrim fera la suite. Ah, voilà des elfes avec qui c'est un peu plus agréable de négocier. Toutes mes excuses, quand même. Au nom du peuple elfique, je tiens à m'excuser pour ce comportement désastreux auquel vous avez été confronté récemment. Non, vraiment, vraiment. Oh, l'Ariel! Oh, l'Ariel, elle vient tellement pour passer la pommade. Elle est là, t'es là, à l'eau, telle une lumière chaude et illuminant la pièce qui vient illuminer une atmosphère sombre et noirâtre et morose. Tel un baume. Un matin de printemps. Oh! C'est ma waifu à l'Ariel désormais, pas touche. Autorité plus 4 pour 1000 balles. Ouais, mais je croule pas sous la thune. Ah, mais par contre, j'ai besoin d'ordre public. Mais ça va, j'ai un peu de réserve. Ah, puis ça va monter. Hein. Bon, la question étant... Ah oui, Louan, il a l'air de s'être fâché sur les orques. Je vais foncer à Gorsel avant que Louan le prenne. C'est ma province!
T'es pas du tout casse-couille. J'adore les hommes bêtes. Bon, j'ai les cavaliers de la rose qui sont plutôt tanky, donc... Oh là 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 là, regardez-moi ça, quel enfer. S'il y a quand même des arquebusiers qui pouvaient sortir... Allez. Take the ground! Charge! Albadiers, ready for war! By Ulrich's wrath! Ok, il y en a qui sortent, ils pouvaient se reconstituer face... Ok, sortez! Il y a moyen, ça se joue. Ok, ils vont se reformer. Mais vite, parce que la cave, elle va plus tenir longtemps. Hein. Ils vont bientôt tirer, les deux autres unités vont se reformer bientôt. Ok, ils sont passés. Allez, c'est le moment de répondre! Il faut se reformer là, les mecs! Merde, il y a des harpies! Ah merde, Khazrak qui est en train de faire fuir tout le monde. Il est sur char d'ailleurs. Aouh! Putain, bon, reculer. Oh là là, il va d'unité en unité. Ça, c'est dur hein, de se reformer sous un bordel pareil. Ah, les chiens qui me courent après, qui me lâchent pas. For Heldenhammer to battle. Sigma guides us. Me neutralise trop d'unités là. Allez, reformez-vous par pitié. Oh, allez, ça se fait, ça. Voilà, oui, ça se fait, ça. Merde, ne refuyez pas! Allez. Abattez-le! Il s'enfuit pas. Non! Non, il est bloqué derrière une souche! Oh, c'est pas possible! Ça y est, ils vont enfin pouvoir y aller à fond. Juste garder une unité de bretteur pour les tenir. Oui, le rapport de force va s'inverser. Allez, accompagnez-le vers la sortie au moins. Où le char ?
Ouh le char. Ouh le char, il me plaît pas. Ouais, il va perdre son moral, il va perdre son moral. Ok, faut l'achever, ce serait idéal. Trois persos qui tiennent super bien par contre. Voilà, c'est bon ça. Allez, ça dégage. Noué. Tiens. Ah. Va t'asperger de pisse. C'est les hommes bêtes. C'est sur la période du Bram, lui, il va se remettre un peu dans la barbe. Ah. Oh la vache. Heureusement, j'ai réussi à décrocher les arquebusiers. Hein. Ils ont quand même fait fuir beaucoup de trucs. Et tuer Khazrak. Si je pouvais pas tuer Khazrak... Putain, regardez ça, il a fait 250 kills. Pouah, l'embuscade de l'enfer. Et la cavalerie de la Rose Noire, ils ont fait le taf. Hein. Bon, après, c'était du croustillant en face. Il n'y avait pas d'armure. Forcément, ils étaient dans leur zone de confort. Mais quand même, c'était pas mal. Là où il est. Praise Sigma. Va achever son armée par contre. Hein. Pouette. What? Mais c'est pas vrai qu'il va me refaire ce coup-là, cet enfoiré. Casse-couille. Je désinstalle, c'est un virus. Mais mon PC qui est infecté. Ah, faut la faire. S'il te plaît, joue à notre jeu, s'il te plaît. Allez, regarde, on a des nouvelles microtransactions, tu veux pas venir? Tu vois, tranquille. Oh, comme il va se faire cueillir par une belle petite salve, lui. Le launcher Electronic Arts, en fait, c'est... C'est ce mec dans les bureaux que personne peut blairer. Et quand toutes les personnes qui s'apprécient entre elles sont dans la même pièce en train de discuter, t'as la porte qui s'entrouvre, t'as sa tête qui passe comme ça. Ça va? Vous avez besoin de moi? Vous m'avez appelé? Non? D'accord, c'est pas grave. Si vous avez besoin, vous m'appelez, hein. Non, personne t'a appelé. Ok, si vous avez besoin, vous savez où je suis. Hein. Ils ont quoi comme bonus, eux? Anti-infanterie. Combien? 40! Attends. Ah non, valeur de base 40. Ah non, infanterie 8. Bonus contre l'infanterie 8. Oui, non, effectivement, c'est... 40, ça aurait été un petit peu l'abus. Allez, venez les harpies. Bon, les mecs. Oh putain. Aïe, ils ont trouvé la gâchette. Ça va partir vite. Yes, sir, quickly. Help, Adidas.
Ah, ils étaient légèrement en contrebas, c'est pour ça qu'ils ont pas tiré. Parce que sinon, normalement, si c'était complètement à plat, ça serait passé au-dessus. Ceci explique cela. Allez, venez vous placer là, vous autres. Encore là. Tiens, on va en profiter pour que celui-là puisse boire sa potion. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, dégagez la piste. Même tellement cool le mode de fumée. Regardez ça, cette ambiance là. Oh non, pas déjà. Encore 5 minutes, maman. Alors, faut pas te faire un trou dans l'oreille, nous, hein. Et bon, ça va. Bah, je vais être obligé de passer un tour ou deux dans une ville pour me refaire. Pas trop le choix. Là, j'ai quand même pris cher. Oh, il est quelle heure? Oh, ah, j'ai trop envie de voir la suite de cette campagne. Encore un petit peu. Je devrais être dans mon lit. Kazrak a fait un peu moins de dégâts. Un petit peu. Ça fait un peu de sous, hein. Peu de prestige. Allez, couchez. Il est pas encore mort parce qu'il a toujours son truc. Donc bon, on va aller jusqu'à Elart, hein. Là j'ai pas trop le choix. Je pourrais me régénérer un peu plus rapidement. Ok. J'ai 16 000. Elspeth von Draken. Ok. Ok, Elspeth. At Moore's request. On a une grosse bataille. Make haste, men. Amethyst. Ah, mais en plus, je récupère Averheim. Sans problème. Bonsoir à tous. Ah, attends. Attends. Soyons plus malins que ça. Think, Elspeth, think. Salut, Thorgrim. Friends of the Dowie. Sign. Voilà. Donc là, je veux que ce soit Elspeth qui attaque en premier parce qu'elle a la batterie tonnerre de feu. Je veux qu'elle soit placée immédiatement. Bon, ce sera pas nécessaire. Permet les attaques enflammées, héros ou seigneur ou héros. Permet les attaques de feu de givre, vulnérabilité au feu et ralentissement. Bah, c'est pour Elspeth, hein, ça. Commandement moins 4, ça sera pour toi. Vulnérabilité. Capacité régénération. On peut mettre ça éventuellement. Mais ouais, avec tout. Oui, c'est vrai qu'avec les deux armées, effectivement. Ah, je perds un halbardier. D'accord. Eh ben alors, go. Go.
Enfin, si on aura le temps de leur faire une petite pluie de roquettes. Faudra faire gaffe avant l'arrivée de Karl. Ah merde, Karl, il va arriver en pleine forêt. Bon, il pourra flanquer, mais bon. Ouais. Par contre, Elspeth sera bien placée au début. Elle a l'air d'avoir des vents de magie. Ah oui, 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 elle en a. Dommage, elle a pas beaucoup de sorts, mais on va changer ça. The Empire endures! Militia! Spearmen! Halberdiers! Swordsmen! Ouais, les épéistes, on va les faire avancer, hein. Les halbardiers vont tenir. Les arrières, toi tu vas avancer un petit coup. Peut-être l'idéal ce serait que les arquebusiers se mettent là, dans la cassure de la pente, et que tout ce petit monde là aille juste un peu plus bas. Tire pas n'importe où, toi. Le canon, il a le droit de tirer. Non, on va pas faire ça. En combien de temps il arrive, Karl? 40 secondes et eux, une minute. Peut-être on va se préparer à les allumer là-bas. Oh, les sangliers, ils prennent cher. J'aime bien. Ça y est, ils arrivent. Les autres aussi. Fire! Alors, bon, ça fait du monde. Ils font le taf, les petits arquebusiers, ils font le taf! Par contre, est-ce que cette batterie tonnerre de feu pourrait tirer au centre? Merci d'avance. Vas-y, Karl, fais-nous rêver! Ouais, par contre, les unités de. Mais! Ah non, 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 Elspeth! Attack! By the amethyst wind! Shadows at my call! Halberdier! Attention quand même, ça va pas. On va pas tenir éternellement tout ça. Outriders! My subjects call! Great sword! Von Draken. All will meet
Dis donc, il tient vachement bien, lui. Virez-les, eux. Venez par là, vous. Ok. C'est pas cool, ça. Il y a les trolls qui passent. Ah, ils se prennent un peu tout, en fait. Allez! Il tire! Soak them! We are Sigmar's heirs. Allez vite! Faut amener du soutien au centre! Sigmar commands! By Ulrich's wrath! Take position! Ok, ok, ok! La batterie tonnerre de feu, on est toujours bien. Ils sont en train de faire une percée tout doucement. Hein. Ils vont perdre leur chef par contre. Ça va les calmer, ça. Allez! Envoyez les renforts! Il est où? Il est mort? Oh, il est pas mort. C'est qu'une question de temps. Ah. Voilà, il a fait prout. Allez, cassez-vous! On va essayer d'en tuer le plus possible. Attends, là-dedans. Après, il va falloir attaquer la ville. Fuyez! Oh la vache! Pas évident de faire des zooms dans ce genre de bataille, tellement il y a de gestion à faire. Dommage parce que c'est fort beau. On pourrait pas balancer. Par là. Ils tirent quand même très 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 lentement les escorteurs à lance-grenade. Enfin, c'est logique. Mais qu'ils doivent recharger des tromblons gros comme ça. Oui, alors je voudrais. C'est pas un reproche, hein, Jean-Philippe. Mais j'ai quand même remarqué que. Tu rechargeais ton arme près de 40% moins vite, hein, que Thierry. Oui, oui, il a un pistolet et toi tu as un lance-grenade, et alors? Ce n'est pas une excuse, tu sais, quand j'ai commencé au bas de l'échelle comme toi, j'étais pas en train de systématiquement me plaindre
de l'équipement que j'avais. Ça, c'est une excuse de faible, un petit peu. Mais t'inquiète pas. Ah merde, il a explosé! Ouais, mais c'était son rôle. Il voulait tenir la première ligne. Il l'aura tenu jusqu'au bout. Non, mais je peux... Il est dans les comptes électeurs maintenant. Ça va. Je peux l'avoir. Bring me to my men. Et donc... Attends. Ouais, un peu chiant, lui, il a reculé. On m'enlève plus rien, là. Dire que j'ai fait la bataille parce qu'il m'a enlevé une unité de halbardier. Bon, ben, faut la faire, hein, encore. Faut la faire. Les lance-grenades, va pas falloir les envoyer trop tôt non plus. Parti pour une nouvelle bataille de siège absolument passionnante. Là, vous êtes prêts. Show us the foe. Are you with me, men of the Empire? For Sigma, for the Empire, for the Warhammer. Dirou. Elle se fait péter, elle tape à la porte. Déjà ? Oula ! Karl, il a quand même souffert. Chevaucheur de loup. Faut que je devrais leur demander d'arrêter eux. Ah, Elspeth, elle a pris aussi. Hein. Bon, en avance rapide, évidemment, j'étais pas au taquet pour mettre tous les bons bonus. J'ai perdu une unité de halbardier. C'est pas grave. Franchement, perdre une unité de halbardier ou faire la bataille en avance normale, ça me paraît honnête comme deal.
Ça me paraît honnête. Moi, je trouve que c'est ok. C'est acceptable. Je suis rentable. Oh, c'est la seule perte. C'est la seule perte, ça va. On va avoir des troupes de compte électeurs à mettre à la place. Je pourrais rendre à l'électeur là-dedans d'ailleurs. Sûrement pas. C'est une place forte. Je prends. Ah, il est sur griffe mortelle, Karl. On est toujours là, hein. Elspeth von Draken. Elspeth, on veut des sorts. On veut du Fatalitas, tiens. Elle est niveau quoi, là? 15. For Verena and Nuln. Von Draken. Et eux, maintenant, ils sont bons, paraît-il. Résistance physique 10% et indémoralisable. Puis Templier, réserve de vent de magie ennemie, moins 5 par tour dans la province. Réduction de la perte de vigueur, moins 33% contre les factions... Du chaos, Norska, démon peau verte. Hein, voix du loup, chance de succès d'une embuscade, plus 20%, vitesse, plus 10%, et traqué. Ouh, c'est bien aussi ça. Tir embusqué, dégâts perforants, 15%. Attaque enflammée, supprime la corruption. Action assassinée, 35% de chance de succès supplémentaire. Ouh, c'est pas mal ça. Je crois qu'on va prendre. La voix du loup, c'est bien. L'autre aussi. Ah. Ah, les deux sont bien. Mais je vais prendre celui-là, je pense. Il sera automatiquement utile tout le temps. Weaving weapon and magic. Je sais pas où vous avez vu que le tank avait explosé, mais moi j'ai rien vu. Hein. Je crois que vous faites un peu des films des fois. Vous avez un peu envie que les choses se passent mal pour moi et du coup vous voyez des trucs. Mais en fait, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Je suis pas convaincu moi. Je suis pas convaincu du tout moi. Prendre eux, ils sont forts. Ça fait beaucoup d'unités de tir pour Karl. C'est un petit peu... bon, c'est en dépannage. Averheim, ça peut dégager. Je vais quand même le réparer. J'ai 21 000. Je suis à moins 2000 à Nuln. Je peux avoir quoi? Déverrouille le recrutement de troupes régulières, compte électeur, la colère de l'empereur. 3 arquebusiers et 2 mortiers en garnison. Ouah, la garnison, 3 arquebusiers, 2 mortiers, 2 grands canons et un canon à répétition feu d'enfer. Ça pique! Bon, là, je veux ça. Je veux ça, surtout. Les thunes. D'ailleurs, en parlant de thunes. En voilà. Moins 2000, j'ai 11 000. Oh, le niveau 4. Le niveau 4 qui pourrait tomber. Mais j'ai pas assez de sous. Et je pourrais peut-être aller en chercher dans le commerce, notamment là. Ouais, 100%, 100%, 100%, 100%. Je ne peux que produire plus. Ça coûte pas très cher pour produire en plus. Là aussi, je peux produire un peu plus. Et Wissenberg, il y a du marbre aussi. Bon, du coup, il est pas protégé, mais bon. Amethyst Guardian. Follow me. Ouh, Karl est à un point de l'attaque éclair. Ah, ça, ça va être tellement utile pour pouvoir aller vers les vampires. Le plaisir.
Bon, là, 8000, je vais arrêter quand même. Hein. Mais au prochain tour, ça va aller mieux, le revenu. Ça va s'améliorer vu que j'ai pas mal de bâtiments. Enfin, au prochain... dans les 3 prochains tours, les revenus vont pas mal augmenter. Déjà au prochain. Là, il y a pas mal de... pas mal de bâtiments qui vont augmenter, mes revenus qui vont arriver. Là, Vlad, je crois qu'il est bien emmerdé par les nains, là, en ce moment. Ce qui expliquerait pourquoi on le voit pas trop. Pacte de non-agression avec grand plaisir. Très grand plaisir. Chaos will always be brought to order. Qu'est-ce qu'elle a dit? On est tour 38. Ça se passe bien, hein? Ça se passe bien. Qui est encore vivant dans l'Order Tide? On sait pas trop si Clodoman vit toujours. Ouah, les Nords ont pris le Nord. Oh! On va en avoir quand même un petit paquet. Là, je suis déjà remonté à moins 1400. Amethyst Mage. Petit saligo. Ah bah, il y a Vlad qui revient. Dark Lady of Gnome. Mais... Hello. Drive on for the Empire. Il va encore m'enlever des troupes à mon avis. Pff, ouais. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Là, on va s'arrêter ici. Au revoir, YouTube. Ah, oh, j'aurais aimé continuer, mais on arrête ici. Et on tue Vlad la prochaine fois. Et la prochaine fois, par contre, là, c'est l'invasion du chaos. Donc, côté Norse et guerrier du chaos, ça va chauffer. Allez, la bise. Bisous. À bientôt.